est 21h et nous sommes déjà avec vous, comme c'est le cas tous les vendredis soirs. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous dans vos domiciles ou tout autre lieu de réception respectif pour partager avec vous la connaissance, le savoir. Dans la Sainte Bible, plus précisément, dans le livre d'Osée 4, verset 6, Dieu, s'adressant à son peuple, dit, et je cite, « Mon peuple périt, faute de connaissance, parce que tu as été rejeté, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. » Osée 4, verset 6. Vous comprenez donc que c'est celui qui détient alors la connaissance qui a en réalité tout. Et c'est justement cette connaissance que nous vous permettons d'avoir sur Gulf TV Africa à travers l'émission Au-delà du réel. Le thème de ce soir, c'est l'attraction, la puissance de la pensée. Pour animer cette émission, je suis avec Aristide Kanosu, déjà en plateau avec moi. Aristide, bonsoir. Bonsoir Ulrich Assogwakwe, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. C'est le même plaisir qui m'anime ce soir quand je co-officie ce plateau avec vous, Ulrich Assogwakwe. Amis téléspectateurs, c'est toujours le même plaisir de vous savoir derrière vos petits écrans, de vous savoir sur vos smartphones en train de suivre actuellement sur Gulf TV Africa cette émission, sur vos chaînes, votre poste radio, la 105.7 en train de nous suivre en ce moment. Bonsoir, bienvenue. Comme vous le savez, le thème de ce soir, c'est l'attraction, la puissance de la pensée. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Kede Geno Romeo. Il est missionnaire du mouvement gnostique international du Bénin. Alors, monsieur Romeo, bonsoir. Bienvenue sur votre émission eh bien, Au-delà du réel de ce vendredi. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être devant vous pour vous présenter la question de la pensée liée à l'attraction. Oui, nous allons procéder d'entrée à quelques clarifications autour de la thématique. Dites-nous pour commencer, la pensée, c'est quoi? C'est vrai qu'il est très difficile de définir quelque chose de subtil parce que la pensée, c'est vraiment subtil. Mais je vais quand même essayer de donner quelques appréhensions qui nous permettront de comprendre véritablement ce que c'est que la pensée. La pensée, ce sont des images que nous créons dans notre cerveau et dans un jargon plus communément spirituel, on appelle le mental. Donc ce sont des images que nous créons dans le mental qui peut être répétées ou soit choisies, ou soit ces images-là viennent sans notre consentement des fois. Et parfois, nous n'arrivons même pas à avoir le contrôle sur ce que c'est que la pensée. Donc c'est des images mentales créées dans notre système de pensée, de notre système de réflexion, qui essaie de chercher à vouloir résoudre des problèmes, à chercher des solutions à des situations données. Voilà ce que c'est que la pensée. Alors, peut-on manifester la pensée? Oui. La pensée peut-elle être manifestée? Vraiment. À la question de savoir de manifester la pensée, je pense que toute la grande question est là. Parce que, qu'il vous souvienne que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Mais si nous regardons un peu, si nous analysons un peu, en regardant un peu dans notre système, avant de pouvoir parler, c'est que nous avons déjà émis une certaine pensée. Donc ça veut dire que la pensée vient même avant la parole. Donc avant de prononcer une phrase, c'est que nous avons déjà créé des images mentales dans notre système que nous essayons de manifester avec la parole. Donc au commencement, si je peux le dire ainsi, était la pensée. Donc la pensée est à l'origine de toute chose. Et donc, toutes les manifestations que vous voyez au dehors, même ici même, ont été l'objet de la pensée de quelqu'un, d'une personne. C'est une personne, si vous prenez par exemple celui qui a créé le téléphone, c'est que le téléphone n'est pas apparu juste avec des phrases ni avec des actes. C'est d'abord une image mentale qui a été créée dans le système de réflexion de quelqu'un qu'il a essayé de manifester sur le plan physique. Donc, oui, c'est possible de manifester la pensée. C'est possible. Oui. Pour continuer avec les clarifications, je dirais, sémantiques, dites-nous, l'attraction, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de définition par rapport à ça? Oui. Quand on parle de l'attraction, c'est que, autant que la parole a une force, autant la pensée aussi a une grande force. Donc, du coup, ce que nous émettons dans notre mental, comme des images mentaux, mais mentales, c'est que ces images-là peuvent alors quitter le plan subtil au plan physique.
Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de penser dans notre système, nous pourrons l'attirer vers nous. Parce que quelqu'un qui essaie de penser et qui rejoue ces mêmes images dans son système a la possibilité à un moment donné d'attirer vers lui ce à quoi il pense. Peut-on alors faire une nuance entre l'attraction elle-même et la loi de l'attraction? L'attraction elle-même, c'est d'abord une manière d'attirer à soi quelque chose. Maintenant, l'attraction est fondée sur une loi de l'univers. Mmh. En fait, elle n'est pas juste un mot qu'on peut l'utiliser, mais elle a profondément une loi de l'univers. Donc, ce à quoi nous pensons, ce à quoi nous mettons beaucoup plus de temps à ruminer dans notre mental, alors nous pourrions les attirer. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi de l'attraction. Oui, qu'est-ce que c'est que cette loi-là, ou quelles sont ces lois-là? Oui, la loi de l'attraction, c'est que lorsque vous ruminez ou bien lorsque vous êtes en train de mettre des images dans votre mental, c'est que vous envoyez des ondes, des signaux, d'accord, dans l'univers. Et donc l'univers et ces signaux-là sont envoyés par plusieurs mécanismes que nous allons, et peut-être si le temps nous permet de les développer. Donc ces signaux-là sont envoyés dans l'univers et donc l'univers capte ces signaux et se dit « voilà, telle personne veut réaliser telle chose ». Alors l'univers alors met en place un système, puisque l'univers est intelligent, donc il met en place un système pour que la personne qui pense, c'est-à-dire qui a une certaine pensée régulière, alors puisse attirer vers lui ce à quoi elle pense. Alors, en fait, c'est la corrélation entre la pensée elle-même et la loi de l'attraction, c'est quoi? Parce qu'on entend tout souvent dire que quand vous pensez à l'argent, vous l'aurez. Quand vous pensez à une profession, vous la ferez ou vous trouverez. Quand vous pensez à quelque chose, considérez déjà que la chose est déjà obtenue. Est-ce que c'est ça la corrélation entre la pensée et l'attraction? Je pense que c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal de la pensée. C'est-à-dire une pensée doit être manifestée. Mais dans la réalité, c'est que l'être humain a des milliers de pensées. Et donc, du coup, il se plonge dans un firmament de pensées auquel, véritablement, la nature ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Donc, ça ne veut pas dire forcément que lorsqu'on pense, alors on fait... Ça se concrétise. Parce qu'il y a des milliers de pensées qui traversent notre esprit. Donc, il y a un mécanisme, il y a des faits, il y a des actions, il y a des comportements, il y a des enseignements, il y a des instructions que vous devez recevoir afin de pouvoir alors utiliser votre pensée et la relier à la loi de l'attraction pour que cette pensée puisse être une réalité. Est-ce que la loi de l'attraction, là, elle fait des filtres en matière de ce pensée. Qui peut être pensée positive ou pensée négative? Ou par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui pense à détourner la femme de son prochain, quelqu'un qui pense à voler la moto de quelqu'un, quelqu'un qui pense à détruire le travail, etc. Est-ce que la loi de l'attraction fait le filtre entre ces pensées-là et savoir bloquer ça ou bien cette loi-là valide tout? En fait, c'est vraiment une question véritablement importante et pertinente. Non, la loi de l'attraction ne fait pas de filtre. Sinon, il n'y aura pas de voleurs professionnels. Il n'y aura pas de menteurs, de brigands professionnels. C'est parce que dans leur système, ils nourrissent ces pensées-là régulièrement qu'il arrive véritablement à devenir peut-être un grand professionnel dans de tel cas même négatif de la vie. Mais cependant, il ne s'agit pas simplement, comme je l'ai dit, de penser pour l'amener à réalisation. Ça suit des processus donnés. Quels sont ces processus-là? D'abord, il faut reconnaître que nous avons dit tout à l'heure qu'au commencement était la parole, mais avant, nous avons la pensée. Mais avant la pensée aussi, nous avons la sensation, ce qu'on appelle l'émotion. Lorsque vous avez des pensées, il y a toujours une émotion qui va avec, un ressenti qui va avec. Et lorsque ce ressenti est tellement grand, la nature, lui, il n'entend pas. Il n'entend pas avec les mots, il n'entend pas avec des phrases, il entend avec votre sensation. Si dans une journée, votre sensation est-elle liée à une pensée qui se répète et cette sensation est formidable et heureuse, c'est-à-dire qui cherche à atteindre par exemple un but donné, nous serons tellement convaincus que alors la réalisation de cette pensée ne va pas tarder. C'est-à-dire quoi?
Si je prends par exemple, je veux la belle voiture, il ne s'agit pas juste de convoiter la belle voiture de quelqu'un. Est-ce que je ressens ce qui va avec, ce que c'est que avoir une voiture? Est-ce que j'ai la capacité de m'asseoir, de faire 15 minutes et de ressentir intensément ce que c'est que avoir une voiture? C'est-à-dire la joie qui va avec. Si j'ai alors cette capacité, alors je peux manifester une pensée. Maintenant, le problème avec l'être humain, c'est qu'il est incapable même de s'asseoir et prendre 2 minutes et ne penser à une seule chose. C'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de préoccupations, des choses à réaliser qui vont venir s'infiltrer dans le processus de pensée qu'il est en train d'entreprendre. Or, tout ça, c'est un exercice. Il faut apprendre. Et il y a beaucoup de techniques qui permettent à l'être humain d'arriver à cette capacité de calmer, comme on le dit, son mental, pour pouvoir alors utiliser l'imagination créatrice, d'accord, la pensée qui pourra créer, c'est-à-dire la pensée qui pourra s'aligner sur la loi de l'attraction. Partager cette technique-là avec nous, avec les téléspectateurs. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est un processus, hein, mais je vais quand même donner quelques techniques. Vous savez, la première des choses, commençons par les choses que nous voyons. Commençons déjà par, parce que lié aux émotions, nous avons le corps. Commençons déjà par avoir la capacité de maîtriser le corps. Parce que si vous dites que vous voulez maîtriser les choses plus subtiles, alors que vous n'êtes pas capable de maîtriser l'outil que vous êtes, qu'on voit, alors vous ne pourrez pas être capable de maîtriser la pensée. Donc la première des choses, commençons déjà par maîtriser nos pulsions liées au corps. Si une femme, un exemple de pulsion liée au corps. Un exemple, parce que c'est très courant. Si une femme passe devant vous et que vous n'êtes pas capable de vous retenir, c'est-à-dire de choisir aller vers elle ou non, je n'ai pas dit que je suis contre qu'on aille vers une femme, non. Mais est-ce que vous avez véritablement choisi ou bien c'est le fait qu'elle soit passée devant vous qui vous amène à aller? Donc, vous voyez, si vous n'avez pas de ces choix, si quelqu'un vous insulte par exemple, avez-vous le choix de maintenir vos émotions stables? Alors, avez-vous le choix, ou bien avez-vous la capacité d'être stable dans vos émotions? Si vous avez une telle capacité, alors vous allez pouvoir aller au-delà de la maîtrise du corps, de la maîtrise des émotions et de la maîtrise de la pensée. Donc, si vous maîtrisez alors cette pensée-là, vous aurez la capacité de la manifester, c'est-à-dire de l'aligner sur la loi de l'attraction. Donc, l'une des techniques les plus courantes que les gens, dont les gens parlent, c'est que je peux enseigner, c'est vrai que c'est, comme je le dis, ça c'est un processus, c'est la méditation. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de méditation, on a l'impression qu'il faut lire des choses et commencer par interpréter. Non, la méditation, c'est la capacité d'être humain à être uni. Uni, ces trois éléments dont je vais te parler, son corps, ses émotions et son esprit, c'est-à-dire sa capacité de penser. Donc, si vous avez la capacité de maîtriser votre corps, si vous pouvez vous asseoir, faire 1 heure assis sans, et être en joie, et être détendu, et être débordant de joie, si vous pouvez être capable de vous asseoir et de rester tranquille dans votre coin, alors vous pourriez alors commencer déjà un tout petit peu à avoir une certaine maîtrise de la pensée. Et avec la pratique quotidienne, alors vous pourriez atteindre des capacités de maîtrise de la pensée fulgurantes. Et ces capacités pourront aligner vos pensées sur la loi de l'attraction. Dans la plupart des cas, la nature essaie de choisir tout simplement les émotions, les sensations dominantes auprès de la personne. Par exemple, une personne qui se plaint régulièrement, ça veut dire que dans son système, il sent de la douleur, des choses néfastes. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'il demande à la nature plus de douleur. Et donc, vous voyez, ces trucs-là vont s'accentuer. J'ai tout de suite 2 questions, hein, mais je voudrais vous faire la première. Je ne sais pas si je dois vous faire les 2 simultanément. Vous avez dit tantôt que la nature ne comprend que les émotions. Et ça dit que ceux qui prient Dieu, par exemple, ne sont pas exaucés? Non, ce n'est pas ça. Celui qui prie ou sinon, Dieu... si oui, quel est le poids de la réalisation des vœux de celui qui parle par émotion et de celui qui prie? C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a 2 personnes qui prient, un exaucé et un non. C'est parce que l'autre qui prie, il met avec sa prière, les phrases qui sortent de sa bouche, un aliment... Sont en harmonie avec sa pensée. Exactement. Un certain aliment avec sa pensée, ses émotions. Et il sent déjà, même c'est écrit dans la Bible, lorsque vous priez, croyez déjà que vous êtes exaucé. Donc si vous ne croyez pas, que vous êtes en train de faire sortir des phrases parce que tout le monde est en train de prier autour de vous, vous allez juste perdre votre temps, perdre vos énergies et perdre peut-être en santé parce que vous allez crier en l'air. Mais si vous priez en
en harmonie avec votre pensée, vos émotions et la stabilité de votre corps, c'est-à-dire des énergies qui circulent dans votre corps, il n'y a pas de doute que cela peut se réaliser. Mais c'est ce que je vous demandais tout à l'heure. Je demandais tantôt s'il suffit juste de penser pour que ce à quoi on pense vienne à concrétisation, arrive à se concrétiser. Non, il ne suffit pas juste de penser pour concrétiser ce à quoi on pense. C'est beaucoup plus... C'est vrai, vous voyez, si vous voulez aller quelque part, supposons que j'ai choisi d'aller à la maison, et qu'à chaque coin de rue, j'ai des vies. À chaque coin de rue, quand je vois une rue qui me plaît, j'ai des vies dedans. Je ne vais pas pouvoir aller à la maison, c'est-à-dire que je vais passer plus de temps à aller chez moi. Donc ça veut dire quoi? Si je veux réaliser tel aspect, c'est-à-dire telle chose dans ma vie, et que quand je vois par exemple une autre situation, celui-là me plaît que l'autre, finalement la nature se demande, mais qu'est-ce qu'il veut? Donc, vous allez voir que je vois telle autre situation, je vois, bon, celle-ci me plaît. Donc, je ne suis pas constant dans ce que je désire. Vous voyez, ce serait difficile à la nature de véritablement savoir ce qu'on veut. Et ce qui va faire que votre pensée prendra plus de temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, si vous regardez même dans votre vie ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre. Si vous avez désiré intensément réaliser quelque chose dans votre existence, rien ne l'arrête. Si votre volonté est aussi ferme, c'est-à-dire avec toute votre être, toute votre âme, il n'y a rien qui pourra arrêter la réalisation de cette pensée ou de votre pensée ou de ces désirs que vous avez dans votre... Entre la nature et Dieu, il y a quelle différence? Ou bien c'est la nature qui est Dieu en même temps? Bon, ça, c'est encore une autre question. Mais il faut reconnaître que quand on parle de Dieu, ce n'est pas une personne assise quelque part. Dieu est partout. Et quelqu'un le dit, Dieu est partout et nulle part. Dieu n'est pas... Dieu est là, ici, en moi. Il est en vous aussi. Mais on ne peut pas dire que Dieu est seulement quelque part là et assis. Non, il n'est pas là. Dieu est partout. Donc, puisque Dieu est partout, Dieu laisse son empreinte dans tout ce qui existe dans la nature. Et donc, ces empreintes de Dieu qui existent dans la nature, alors agissent pour répondre à aux aspirations les plus réelles et souhaitées d'un être humain. Je pose la question parce que certains ont l'impression que ce que vous conseillez là, c'est bon, mais il y a d'autres voies qui sont plus rapides pour permettre à ce que les gens aboutissent à la concrétisation de leurs pensées. Par exemple Je ne sais pas, les voies plus ou moins occultes. Ok. Non, mais vous savez, il y a plusieurs moyens d'atteindre un objectif. Pour venir ici, je pense qu'il y a plusieurs chemins pour venir ici. Maintenant, il y a des chemins, lorsque vous les empruntez, que vous brimez des étapes, alors tôt ou tard, vous allez forcément peut-être faire un demi-tour pour peut-être arranger les choses. On va peut-être leur demander d'apporter la tête d'une adolescente de 10 ans, la tête d'un jeune garçon qui n'a jamais touché une fille, voilà, et puis etc. Et puis bon, le résultat est trouvé. C'est de ça que je parle. Vous connaissez, il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Ce que vous faites, vous faites. Ici, et même c'est écrit dans la Bible, et même dans notre tradition, on dit, c'est pas, on parle enfant, ce que tu fais de bien va t'arriver, ce que mais tu fais de moment mal. Mais en ce moment-là, cette nature qui est là ne devrait-elle pas empêcher quand même qu'on ôte la tête de cet enfant-là? Ou rejeter les pensées négatives? Non, vous savez, on est à des niveaux de développement spirituel différents. Vous voyez, votre niveau de développement spirituel n'est pas celui de l'autre. Donc, du coup, vous ne pouvez pas exiger de l'autre de faire ce que vous pensez bien. Pour lui, c'est ce qu'il pense bien. C'est-à-dire, pour lui, là, ce n'est que comme ça qu'il peut atteindre son objectif. Il va falloir qu'il le fasse et qu'il trouve les conséquences et que finalement, qu'il prenne la résolution de ne plus jamais emprunter ses chemins. Parce que, et c'est celle d'où la loi, c'est d'où le fait que quand on parle de la réincarnation, son importance. Parce que la personne revient et vous allez voir qu'il est une personne peut-être de bon caractère, il voit bien les choses. Non, ce n'est pas aussi forcément ça. C'est qu'il a vécu des situations, des faits et des problèmes dans sa vie qui lui ont permis, par rapport à ses actes, de savoir que tel aspect, telle chose, il ne faut plus les faire. C'est tout. Alors, puisque vous dites que la nature capte, d'accord, les vibrations, en fait, les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, tel qu'Aristide, pour être collé à l'exemple d'Aristide Canosso, si une pensée est négative et quand même exprimée, est-ce que la nature n'a pas la possibilité de la rejeter ou de l'éviter?
ou de faire en sorte que cette pensée-là eh bien, ne soit pas concrétisée, si elle est mauvaise. Le problème, c'est que c'est un peu plus complexe. Vous voyez, c'est comme je l'ai dit, c'est un cours très dense que vous êtes en train d'interpeller comme ça. En fait, la nature fonctionne sur deux lois, en tout cas, surtout la nature physique. Vous voyez, elle est bipolaire, bien comme mal. La nature ne voit pas ce qui est bien comme bien et ce qui est mal comme mal. Mais ces deux lois-là sont là pour amener l'être humain à un certain raffinement. C'est pour ça que c'est écrit quelque part dans la Bible. Voici, je mets devant vous le bien et le mal. Mais je vous demande de choisir le bien. Parce qu'il n'est pas facile de choisir le bien. Mais qu'il y a une récompense derrière. Donc, si vous choisissez le mal, vous aurez les conséquences. Et donc, finalement, vous allez commencer par comprendre que, bon, voilà, c'est ce que je devrais faire. Donc, la nature a mis ça là. C'est dans le processus de l'évolution de tout l'univers ou bien du plan physique actuel. Donc, ces deux mondes-là s'interfèrent et créent une certaine lumière. Parce que si, par exemple, dans votre vie, vous ne rencontrez pas d'obstacles, vous n'allez pas pouvoir devenir plus fort. Vous voyez, les situations néfastes, difficiles, sont là pour nous rendre plus rudes et plus forts et plus persévérants pour que nous puissions avoir une certaine volonté très grande pour atteindre nos objectifs. Donc, Dieu aussi a mis ces choses-là. Pour nous amener à nous perfectionner. Maintenant, malheur à celui-là qui se permet d'être utilisé dans le côté du mal pour permettre à l'autre de se perfectionner. Parce qu'un jour ou l'autre, il va s'en rendre compte et les conséquences seront là. Il va vivre des situations dans sa vie, il va vivre des situations, il ne va même pas comprendre, il va interroger le ciel, la terre, il ne va comprendre rien de ce qui se passe. Alors, vous êtes un missionnaire, je n'oserais pas vous appeler maître spirituel. Je suis un instructeur spirituel. Voilà, d'accord. Alors, dites-nous, cette pensée-là, comment l'utiliser au quotidien pour avoir des récompenses aussi positives? Ce que je pourrais dire tout simplement, comme je l'ai dit, il faut déjà commencer par maîtriser le corps. Parce que tout part de là. C'est-à-dire tout ce qui dévie l'être humain de ses objectifs vient du corps. Supposons que j'ai un objectif de construire une maison bien grande, un immeuble grand. Et que je ne commence pas à réfléchir, je ne commence pas à mettre en place un système, un projet, tout ça. Je ne commence pas à penser à cela. Et que subitement, comme je viens de donner l'exemple, une femme passe devant moi. Vous voyez, j'ai déjà, et si je n'arrive pas à maîtriser mon corps, j'ai déjà oublié cet objectif. Donc je vais m'y mettre, je vais commencer par chercher des moyens, je vais perdre tout le temps, appeler au rendez-vous, gauche, droite, finalement. Vous voyez, j'ai déjà pris une autre vent. Alors que j'ai pour objectif, c'est juste un seul exemple que je donne. Parce que quand je parle de pulsion du corps, il y en a tellement. Et je pense que le missionnaire du MGI qui était passé par ici, il en a parlé. Il y a l'avarisme, la luxure, la paresse, ouais, toutes ces choses-là. Si je n'ai pas maîtrisé ces trucs-là qui sont visibles dans ma vie, alors je ne pourrais pas alors véritablement manifester. C'est vrai, je vais manifester certaines choses parce qu'il arriverait des moments où, quand j'ai vu tous mes amis ont déjà payé ou bien ont déjà pu réussir dans tel ou tel domaine, peut-être que ça va me permettre de me focaliser sur quelque chose et je vais pouvoir la manifester. Vous êtes revenu à deux fois de suite déjà sur l'exemple d'une femme qui passe et qui pourrait déconcentrer. Est-ce à dire que c'est l'élément qui déconcentre le plus parmi les éléments? Oui, parce que nous commençons la vie par là. En fait, il n'y a aucun être humain qui puisse exister aujourd'hui qui ne commence pas par la sexualité. Donc, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée et le point de départ. Oui, le point d'arrivée et le point de départ. Non, pas le point de départ. Bon, d'accord. Le point d'arrivée. Oui, le point d'arrivée, tout au moins. Quand je dis départ, c'est-à-dire le point d'arrivée, le point de départ, c'est-à-dire, ce n'est pas le départ pour commencer, mais le départ comme retour, en fait. Au retour au-delà. Parce que certains, il paraît, hein, certains naissent par là, d'autres, ils meurent par là. Peut-être en plein débat. Oui, avant de poursuivre, moi j'ai une petite question pour vous. Vous savez, vous avez dit, tout le monde n'a pas la même force de penser, la même manière de penser. On ne peut pas forcer l'autre de penser comme moi, parce que le niveau spirituel n'est pas le même. Alors aujourd'hui, est-ce que
c'est facile pour tout le monde de faire l'exercice dont vous parlez de réussir, parce que tout le monde n'a pas la facilité de faire ces exercices-là. Sinon, qu'est-ce que vous recommandez souvent à ceux qui sont entre griffes, des faibles à ce niveau, parce qu'il y a des gens qui sont nés comme ça et qui n'ont pas cette facilité peut-être d'imaginer des choses, de forcer leurs pensées, de forcer leurs émotions. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous recommandez des exercices pratiques et spécifiques? Bien sûr, mais il faut d'abord reconnaître que avant qu'une personne ne puisse déjà s'intéresser à cette capacité de manifester sa pensée, c'est qu'il est déjà à un certain niveau de développement. C'est qu'une personne qui n'est pas à ce niveau de développement ne chercherait jamais même à penser à une telle chose. Même quand vous allez lui en parler, il va lui dire non, c'est bon déjà, moi, ce que je fais, c'est suffisant. Ouais, il va même pas s'intéresser. Vous comprenez ce que je dis? Donc, s'il ne s'intéresse pas, c'est parce qu'il est dans le besoin, certainement, d'être secouru par quelqu'un qui a la lucidité. Oui, maintenant, quand vous en avez besoin. Maintenant, dans ce cas, comment vous allez d'abord pour le convaincre et ensuite lui soumettre des exercices? Il faut juste essayer de lui dire, bon, si tu passes par un tel mécanisme, ceci pourra te donner ceci. S'il est intéressé, alors vous le mettez sur le processus. Mais s'il n'est pas intéressé, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Alors, s'il est jusqu'à ce que... Puisque tout autant que nous sommes, nous serons intéressés un jour jusqu'à ce que les mécanismes, les conditions de vie l'amènent jusqu'à comprendre que bon, voilà, telle personne m'en avait parlé, mais m'avait parlé de tel aspect de la vie. Est-ce que si j'essayais cela, qu'est-ce que cela va donner? Est-ce qu'il peut arriver qu'il soit tard le moment où il a pris la décision de s'y mettre? C'est-à-dire que c'est déjà trop tard? Non, il n'y a pas de moment, il n'y a jamais de moment tard dans la vie, mais seulement qu'on ne sait jamais. Vous savez, on peut commencer aujourd'hui, demain partir, puisqu'on ne sait pas quand. Donc c'est peut-être dans ce cas qu'on peut avoir des moments ou bien des moments tard dans la vie d'une personne. Mais sinon, c'est toujours propice pour tout le monde, pour toute personne, pour tout téléspectateur qui désire apprendre à manifester ses pensées. Alors la possibilité, c'est-à-dire si la volonté est là, la possibilité aussi est là. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des obstacles à la manifestation de la pensée? Si oui, quels peuvent être ces obstacles-là? Il y a d'énormes obstacles à la manifestation de la pensée. Il y a la non-stabilité de la pensée dans la vie d'une personne. Le premier obstacle, c'est que quand vous prenez une personne, vous allez constater qu'ils ont tellement de pensées. Avant de quitter sa maison pour le boulot, c'est qu'il ne se rend même pas compte qu'il est sur un chemin. C'est-à-dire, c'est quand il arrive au boulot qu'il se rend compte qu'il est venu au boulot. C'est-à-dire, sur le long de son chemin de la maison jusqu'au boulot, il était dans ces milliers de pensées. Comme ça, vous voyez, la nature a des difficultés à percevoir ce que veut une telle personne. Parce qu'à chaque pensée, elle y a une émotion. À un moment donné, il va penser à des situations positives, et à un moment donné, il va penser à des situations négatives. À un moment donné, il va penser à ses factures, il va penser à ses problèmes, aux choses qu'il désire régler, il va penser à ses exploits. Donc, vous voyez, c'est ce mélange dans le corps physique avec ses émotions. Parce que quand on parle d'émotions, n'oubliez pas que c'est un mécanisme chimique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des sécrétions biologiques qui sont sécrétées dans le corps. Donc, le corps même aussi s'étonne. Pourquoi le gars, ce monsieur-là, il ne comprend pas, on ne comprend même pas ce qu'il veut. Donc, du coup, l'un des obstacles, c'est la capacité de l'être humain à être focalisé. Parlant d'obstacles, tout à l'heure, je vous faisais la question de savoir, est-ce qu'il y a un moment qu'on peut qualifier de moment tard pour prendre la décision? Si, par exemple, c'est à un jeune âge, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, que le sujet a pris conscience qu'il faut travailler ses pensées, est-ce qu'il y a des obstacles que si, par exemple, le jeune de 15 ans rêve de construire un immeuble, de construire, de rouler une voiture, il commence pas à rêver de cela. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent l'en empêcher, peut-être parce que son jeune âge est là? L'un des plus grands obstacles, il y a, comme je l'ai dit, il y a la capacité d'être focus. C'est-à-dire, quand je dis être focus, ne pas se laisser distraire par ce que les autres disent et ce que les autres font, ou voir des appréhensions ou des situations qui viennent après que vous ayez déjà émis la pensée de réaliser une telle ou telle chose. On vous dira que dans notre société, on n'a jamais vu un jeune construire un immeuble de tel standing. Et pourtant, il en existe. Il en existe ailleurs. C'est parce que les gens ont cru, ils ont pensé, ils ont travaillé à cela et ça a donné une réalité. Il y a aussi un obstacle que j'aimerais aussi parler. C'est, vous voyez, qu'est-ce que vous suivez souvent? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui entre dans votre
quelles sont les choses qui entrent dans vos oreilles? À quoi, qu'est-ce que vous regardez le plus souvent? Si vous regardez des séries dans lesquelles il y a du mensonge, il y a de l'impossibilité, il y a, vous comprenez, il y a des situations, l'autre ment à l'autre, vous allez comprendre, vous allez penser que tous ceux qui sont autour de vous vont vous mentir. Et donc, quand vous commencez pas déjà à suspecter les gens, vous ne pouvez véritablement pas vous déployer parce que, oh, peut-être que ces personnes-là n'ont rien de suspect. Mais parce que vous avez vu dans une série que telle personne, amie de l'autre, l'a trompé. Donc, il faut véritablement sélectionner ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce que, en tout cas, le milieu, l'environnement, c'est véritablement important. Dans les programmes télé aujourd'hui, c'est facile de voir nos femmes, nos mères, nos sœurs rester fichées, scotchées à leur téléviseur, notamment à des séries qui toutefois ne présentent pas des scénarios qui sont réels ou réalistes. Mais dans ces moments-là, est-ce que ces gens-là, nos sœurs-là, nos mères, nos épouses-là sont en train d'être façonnées dans la tête ou sont en train d'être bloqués d'une certaine façon? Bon, façonnés, oui. Bloqués, ça dépend de la personne. Parce que si la personne ne se rend pas compte véritablement du message qui est derrière ce qu'il voit, alors il va juste subir et faire. Qu'il vous souvienne que dans notre tradition avant, ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on voit dans ce domaine-là n'existent pas. Et pourtant, quand on regardait ces séries-là, on n'était pas d'accord avec les acteurs ou les actrices qui avaient de tel ou tel acte. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là sont en train d'être des réalités dans notre société. Donc, du coup, On a pris le temps de l'appliquer. Oui, on a pris le temps de l'appliquer, même sans le savoir. Parce que, comme je l'ai dit, à force de regarder, il y a des images mentales, il y a des pensées qui se créent. Et à la fin même du fait qu'une personne ait regardé une série, un film, ça reste un peu dans son système. Et c'est ça qui le façonne. Donc, je ne suis pas contre ces séries-là, non, pas du tout, mais je suis juste pour la sélection. Vous savez, parlant de sélection, avant de laisser Louis Sachabouapé vous poser sa question, tout le monde n'est pas capable de sélectionner ce qu'il écoute parfois, de sélectionner ce qu'il regarde parfois, parce que vous pouvez aller dans certaines entreprises où des employés sont soumis à des formes de musique, d'accord, où c'est cette musique-là, il doit jouer ou bien il doit écouter toute la journée. Peut-être qu'il est un animateur radio ou cette radio à Salny qui doit jouer des musiques qui parlent de ci et de ça. Des exemples sont légion. Alors, dans ces conditions où le sujet ne choisit pas ce qu'il écoute, ne choisit pas forcément ce qu'il regarde, et que c'est peut-être son métier ou son environnement qui le lui impose, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut que le sujet soit là, au-delà en tout cas, soit à la hauteur, c'est-à-dire près de la hauteur, par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend. Mais avant de pouvoir prendre la hauteur, il faut un travail sur soi. C'est ce qu'on appelle le travail psychologique. C'est-à-dire qu'il faut faire des travaux personnels, de savoir qui vous êtes. Puisque beaucoup de personnes sont nées depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, ne se sont jamais posé la question de savoir qui suis-je. Mais qui va lui donner cette réponse? Voilà. Oh, c'est possible de savoir. Donc, il faudrait que la personne... Comment le savoir? D'accord. Donc, je vais d'abord finir de répondre. Donc, il faudrait que la personne puisse avoir la capacité d'avoir de la hauteur, c'est-à-dire de prendre de la hauteur. Et cette capacité ne vient qu'à travers des travaux précis et des exercices précis dans la vie d'une personne. Alors, une personne peut s'asseoir, vous et moi, on peut s'asseoir et regarder la même chose, mais je n'aurai pas la même influence. Ce que nous regardons n'aura pas la même influence. Influence sur l'autre. Parce que je suis peut-être... Mentalement fort. Voilà, j'ai de la hauteur. Je peux voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Alors, voilà. Comment se connaître véritablement? Ça, c'est ma première question avant de vous faire les autres questions. Je pense que si... c'est un travail à faire sur soi, c'est de s'observer quotidiennement. Voilà, il faut déjà commencer par s'observer. Parce que, comme je l'ai dit, voilà, beaucoup de gens aujourd'hui pensent connaître Dieu. Voilà, mais le plus basique, nous-mêmes, on ne le connaît même pas encore. Ouais, le plus basique. Même Jésus l'a dit dans une des phrases, si vous ne pouvez pas aimer votre prochain... Nous-mêmes ne le connaissons pas, vous parlez de qui? Je viens d'abord. Si Jésus dit, si vous ne pouvez pas aimer
et votre prochain qui est à tout côté de vous, pensez-vous que vous pourriez aimer Dieu? C'est la même chose aussi, je dois transposer cette phrase. Si vous ne connaissez, vous connaissez pas véritablement comment vous fonctionnez, quels sont vos travers, quels sont ceci, quels sont ceci. Connaître ses limites. Connaître ses limites, mais ça va au-delà de ça encore. Parfois même contrôler, savoir... Savoir avoir le contrôle oui. de vous-même, c'est-à-dire être réellement libre, être soi-même. C'est-à-dire ce que je fais vient de moi et non d'un fait. Je ne réagis pas. Mais j'agis, parce que la plupart aujourd'hui réagissent quand tu me dis si je dois répondre ça, non. Aller jusqu'à connaître les aliments qui peuvent vous perturber, ça aussi c'est dedans. Oui, mais ça c'est des choses très basiques. C'est très basique. C'est ça plus spirituel c'est ce plus que vous subtil dites. Que ça. Donc il me serait complexe de dire, bon voilà comment on peut se connaître, mais c'est un chemin, tout simplement. Donc, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. D'accord. Alors, vous parliez tantôt des... on parlait des conséquences, des obstacles qui peuvent empêcher la concrétisation ou la manifestation de la pensée. Vous n'avez cité que deux obstacles. Est-ce qu'il y a d'autres, puisque vous avez dit qu'il y a une multitude d'obstacles qui peut empêcher la manifestation de la pensée? S'il y en a, vous pouvez nous les citer. Sinon, quels sont alors les avantages de la manifestation de la pensée, de l'attraction, de la loi de l'attraction? D'abord, je vais parler d'abord des obstacles. Je vais me revenir sur le premier, c'est la capacité. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la capacité d'être focus, c'est l'incapacité de l'être humain d'être focus sur ce qu'il désire. Ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est l'incapacité de l'être humain à sélectionner des choses qui vont dans son avantage. C'est-à-dire, si vous avez la capacité de sélectionner ces trucs, d'accord, alors vous êtes déjà sur le chemin de la focalisation. Vous voyez, tout ça là est centralisé dans ce qu'on appelle être focalisé. Si vous n'avez pas la capacité d'être focalisé, ouais, tout le reste, ce n'est que du mensonge. Donc, voilà le premier obstacle. L'autre obstacle, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel vous vous retrouvez. Les choses que vous voyez, les choses que vous entendez, les choses que vous percevez. Le milieu dans lequel vous êtes. Donc, toutes ces choses-là sont aussi, peuvent être aussi des obstacles à la manifestation de la pensée. Quels sont les avantages? Lorsque dans votre vie, vous choisissez consciemment de manifester une pensée, que vous travaillez à ce que cette pensée soit manifestée, alors vous commencez par développer ce qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas des phrases, ce n'est pas des paroles. La foi, c'est juste, j'ai fait ceci et j'ai vu que ça a donné ceci. Et donc, la prochaine fois, je n'ai plus aucun doute que cela va se réaliser. Puisque j'ai déjà eu à le faire une fois. Donc, et souvent, j'ai déjà mis la barre très haute, je ne pensais même pas le pouvoir. Mais à force de travailler, d'y penser, de m'y mettre, cela est devenu réalité. Donc, pour une autre réalisation, quand je vais commencer par travailler sur une autre réalisation, il n'y aura aucun doute que cette réalisation soit une réalité. Vous aviez dit, c'est l'incapacité parfois de certains à rester focus sur ce qu'ils désirent. Alors, ce qu'ils désirent là, est-ce que c'est... un désir ou des désirs. Est-ce qu'on peut être focus sur une seule chose ou bien être focus sur plusieurs choses à la fois? Parce que l'être humain est ambitieux quand même. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut être focus sur une seule chose ou plusieurs choses à la fois? Vous savez, l'ensemble des choses à la fois dont vous parlez concourt à une seule chose. Et c'est quoi cette seule chose-là? Le bien-être, le bonheur de l'être humain, tout simplement. Oui. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'un être humain peut faire sur la terre, même lorsqu'il fait des choses dont vous avez parlé, des choses négatives, c'est juste pour son bien-être. Donc, lorsque vous êtes focalisé sur votre bien-être... Mais le bien-être, c'est quand même vague. Il faut quand même préciser certaines choses. Non, je veux acheter tant, je veux payer tant, je veux rembourser tant, je veux faire ci. Et vous citez peut-être une liste de 10 choses. Non. Est-ce qu'on peut être focus, par exemple, sur ces 10 choses-là à la fois? Est-ce que la nature peut capter tout à la fois? Pour commencer, oui, bien sûr. Mais pour commencer, il faut commencer déjà par... Le plus compliqué? Non. Le plus facile? Non, c'est pas ça. Il faut commencer déjà par choisir
au moins un. C'est-à-dire que si vous voulez faire un travail pour voir si est-ce que ça marche. Mm-hmm. Donc, le plus urgent pour vous. Oui, vous choisissez. Vous priorisez quelque chose. Voilà. Et vous dites ça, au moins, je sais que consciemment, je veux travailler pour voir si est-ce que véritablement cette affaire de la loi de l'attraction marche. Si, non, quand déjà, si... c'est si est-ce que, quand vous mettez déjà ce doute ou bien cet espoir qui semble flou, non, est-ce que ça va marcher? Non, ce n'est pas un doute. En réalité, même le doute, à un moment donné... C'est comme un essai que vous voulez faire. Non, est-ce que l'essai et la foi, c'est la même chose? Non, le doute, à un moment donné, n'est pas mauvais. Ah bon? Parce que si vous ne doutez pas, vous n'allez pas faire véritablement ce dont vous aurez... Ce que vous devez faire pour le que doute amène à aller expérimenter. Voilà. Si personne n'a le doute, personne ne verra rien. Maintenant, je veux réaliser telle chose, tel aspect dans ma vie, ou bien je veux concrétiser un rêve, une pensée. Et donc, je dis, bon, voilà, les gens m'ont enseigné ou bien les gens m'ont instruit que, bon, si on pense et qu'on arrive, on a la capacité d'être focus, alors cela pourra être réalisé. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je choisis une pensée, alors je travaille là-dessus pour voir ce que ça va donner. Si je travaille et je respecte les règles, ces règles-là qui m'ont été enseignées, et que ça ne donne pas, alors je pourrais finalement, il n'y aura plus de doute. Donc je pourrais dire, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut véritablement travailler sur une seule pensée? Bien et sûr. Et ne plus penser à autre chose du tout? Bien sûr. Vous en êtes sûr, un être humain? Bien sûr. En fait, ne voyez pas ce qui est impossible, ne voyez pas les choses impossibles parce que nous n'avons pas encore cette capacité de le faire. Parce que, vous voyez, on peut même s'asseoir et ne penser à rien. Si on peut s'asseoir et ne penser à rien, alors on peut s'asseoir... À rien du tout. À rien du tout. Non, on peut s'asseoir et penser à une seule chose. C'est possible. Et c'est ça même, le point de départ même, si je dois parler dans le sens spirituel... Le point de penser à rien du tout, ce n'est pas déjà une manière de penser? Non, ça, vous parlez avec l'intellect. Ce n'est pas ça. Ne penser à rien, c'est un fait, c'est un état. Je ne peux pas pouvoir... Mais est-ce que c'est possible de ne penser à rien? Parce qu'en Afrique aujourd'hui, à partir d'un certain âge, eh bien, les préoccupations, les soucis vous accablent de telle sorte que même quand vous marchez et vous n'êtes pas résistant, vous risquez de bavarder seul sur la route. Même pas qu'en Afrique, Aristide. Est-ce qu'un être humain peut parvenir à ne penser qu'à une seule chose? Alors choisissez, prenez la résolution de prendre juste 5 minutes tous les soirs et de vous asseoir tout simplement joyeux. Tout simplement, juste commencer. Pensez à la joie. Par exemple, la musique. Non. Ou à faire de la lecture. Non, ça, vous faites encore des choses. Vous faites encore des trucs. Donc, du coup, voilà un peu. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça qu'on appelle la méditation. Vous avez la capacité de vous asseoir et d'être là, tout simplement. On a une vie avant les préoccupations, n'est-ce pas? La vie d'abord avant les préoccupations. Nous sommes déjà une vie avant que les préoccupations ne soient là. Donc, si la vie ne peut mais pas se manifester... Si les préoccupations ne nous laissent pas le temps de nous oui, asseoir, c'est ce que je dis. Non, il faut savoir que c'est dans la vie de tous les êtres humains qu'il y a les préoccupations. Donc, vous n'êtes pas la seule personne, vous ne serez pas la première ni la dernière. Donc, du coup, vous devez, ou chaque être humain doit se trouver un temps, ne serait-ce que 5 minutes pour être avec lui-même tout simplement. Pour rien. Et c'est ça qui va lui permettre, par exemple, s'il a l'envie de payer la dot de sa femme dans la même année, de faire tout ce qui est lié au mariage, de faire, en tout cas, de faire une location et tout le reste. Faut même parler des factures d'eau. Des factures d'eau, d'électricité. Et tout ça là, est-ce que non, ça peut l'empêcher de ne pas penser à tout ça? Permettez-moi de vous poser une question. À laquelle je ne veux pas forcément une réponse. C'est parce que vous vivez que toutes ces choses-là ont d'importance, n'est-ce pas? Si vous ne vivez pas, est-ce que cela aura-t-il d'importance? Non. Non. Mm-hmm. C'est d'abord que nous devons choisir célébrer d'abord la vie. Célébrer la vie. Donc, quand vous célébrez la vie, alors vous voyez ces petits trucs-là, ça va exister, ça va continuer pas à exister. On appelle ça des conditions de vie qui ne sont pas la vie. Donc, quand vous faites la différence entre ce que c'est qu'une condition de vie et votre vie, alors vous pourrez mettre à l'écart vos conditions de vie et votre vie à part. Et vous pourrez gérer votre vie. Vous voyez ici, c'est un espace privé. Rien ne peut rentrer dedans. Je peux ne permettre à aucune condition de vie de venir interférer dans mon système interne. Si vous aimez tant la liberté, pourquoi ne désirez-vous pas que dans votre système interne, que vous soyez la seule personne à avoir la capacité de le gérer et vous laisser les conditions de vie venir vous gérer? Donc finalement, vous n'êtes pas libre. Donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle le chemin de la spiritualité le chemin de la liberté. Donc la liberté,
sujet ou bien la liberté permet à l'être humain d'avoir une certaine capacité d'abord de gérer sa vie et ensuite de manager les conditions de vie. La vie et la condition de vie, est-ce qu'on peut assimiler ça à le bonheur spirituel et le bonheur matériel? Non, pas forcément. Non. Celui qui donne priorité, qui célèbre la vie, est-ce qu'il peut être intéressé à quelque chose de matériel? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai répondu non, bien sûr. Vous savez, on peut... Il pense déjà que le fait de vivre, c'est déjà toute la richesse de ce bas monde. Est-ce que lui, à partir de là... Ah, lui va même beaucoup plus se déployer que celui-là qui a pas devant vous toutes les charges du monde, sa facture, son truc, etc. Et chaque jour, quand il est sur sa moto, il porte toutes ses charges. Si on doit marcher ensemble et que moi, je suis libre de mes charges, alors que vous avez porté de lourdes charges, votre facture, comme vous venez de dire, la dot, etc., etc., alors que moi, je sais que bon, ça va venir. Si ça vient, c'est formidable. Si ça ne vient pas, je suis encore formidable. Entre vous et moi, qui de nous deux aura la capacité de vite marcher que l'autre? Ouais. Les êtres humains portent cette charge-là tout le long de leur existence et finalement, ils ne vivent pas. Et jusqu'à même à la seconde où ils doivent passer de l'autre côté, ils n'ont pas vécu. Missionnaire Roméo, j'ai une question aussi pertinente pour vous. Est-ce que vous, que pensez-vous de cette phrase biblique qui dit « Dieu, votre Père, connaît le tréfonds de vos cœurs et donc connaît même vos besoins avant que vous ne les prononciez. Et donc, il suffit juste d'avoir la foi pour que ces besoins-là se concrétisent. » C'est ça. C'est que pensez-vous de ça? Je pense que cette pensée rejoint ce que je dis. Si vous pensez que celui qui vous a envoyé dans cette existence sait ce que vous désirez, et vous ne vous êtes pas envoyé ici. Donc il y a quelqu'un qui est derrière et qui sait bien ce qu'il doit faire pour que ça soit bien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de responsabilité. Voilà. C'est un peu... Nous sommes liés, en fait. Lui vous a envoyé. Il sait qu'il vous a envoyé, vous a donné une feuille de route. Mais généralement, dans ce bas monde, on sait que les gens sont là pour vous poser des guet-apens, pour couper le circuit... pour quand même ne pas vous amener à atteindre votre objectif. Dans ce cas, vous devenez accablé. Non, comment pourriez-vous être fort si vous n'êtes pas mis à l'épreuve de votre force? C'est ça le problème. C'est ça qui fortifie. En fait. Si vous voyez ces problèmes, ces obstacles comme des obstacles, comme des problèmes, il faut s'apitoyer sur son sort, vous n'allez pas grandir. Vous pensez que les grands êtres, ceux-là qui ont réalisé de grandes choses dans cette humanité, n'ont jamais rencontré d'obstacles? Ils ont eu peut-être plus d'obstacles que vous et moi. Donc, du coup, il faut véritablement, pour que l'être humain puisse amener ses pensées à réalité, puisse s'apesantir sur trois choses. Le corps, les émotions et la pensée. Comment interagir avec le corps? Il faut déjà observer les pulsions qui vous amènent à prendre, à avoir des réactions, qui vous amènent à ne pas être vous-même. Il faut aussi faire légèrement des activités physiques pour maintenir le corps stable. Voilà. Deuxième des choses, pour les émotions, faites attention à ce que vous regardez. Écoutez de la bonne musique. La bonne musique, ça c'est encore un autre coup. Une bonne musique, c'est encore autre chose. Écoutez de la bonne musique écoutez de la bonne musique, allez dans la nature, voilà. Vous voyez, dans la nature, il y a des gens qui ont 20 ans, mais qui n'ont jamais vu le lever du soleil, le coucher du soleil. Donc, leur émotionnel est encore très faible pour développer et manifester les trucs. Donc, écoutez de la musique, méditez. Alors, allez dans la nature, allez dans la verdure, vous voyez, il y a de l'émotion qui se développe. Allez à la plage, vous allez voir la grandeur, l'immensité de la création. Et pour l'intellect, alors, lisez des trucs qui apportent quelque chose à votre système intellectuel. C'est-à-dire, si vous lisez les romans photos, en fin de compte, qu'est-ce que cela vous apporte? Je ne suis pas contre les romans photos, non, pas du tout. Mais si vous ne lisez que ces trucs qui ne vous apportent rien, lisez des livres qui apportent quelque chose, c'est-à-dire qui vous apportent un plus, qui vous donnent plus de volonté à aller de l'avant. Voilà les trois choses qu'il faut faire. Quel genre de livre, par exemple? Si vous prenez le premier livre saint que tout le monde connaît, c'est la Bible. Donc la Bible est un grand livre saint. Vous donnez par exemple des versets déjà, tout à l'heure vous avez donné un verset déjà, que si lorsque vous avez eu la chance d'avoir le temps de la lire une fois,
vous allez comprendre que ah, ce verset-là peut me donner toute la force nécessaire de réaliser tel ou tel aspect de ma vie. Donc voilà, il n'y a pas que ce genre de, il n'y a pas que la Bible, parce que vous prenez par exemple au Bénin, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a les musulmans, il y a le Coran aussi. Oui, nous sommes. Ma question, Aristide. Oui, Aristide, avant très de. Rapidement. Oui, vous ma allez question, poser votre question. Question à deux volets. Je ne voudrais pas poser une question. Je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs que nous avons encore environ 5 minutes devant nous. Et donc, allez-y pour vos questions. Merci, Aristide Kanso. Ma question, c'était une question à deux volets. Où je demandais tout à l'heure, où j'ai cité ces propos. Ces propos divins dans la Bible qui disaient donc votre Père dans les cieux connaît vos pensées, vos besoins, il suffit juste de croire pour que ça vienne, ça se concrétise, d'accord? Mais si vous êtes d'accord avec moi que c'est le cas et que c'est Dieu qui nous a envoyés tous et donc vous confirmez qu'il connaît effectivement nos besoins, est-ce que c'est encore la peine? Il vaut encore la peine de s'asseoir 5 minutes et de penser, comme vous êtes en train de le conseiller au début de cette émission. Je pense que pour répondre à cette question, c'est très simple. Dieu connaît notre désir et il est prêt à réaliser ses désirs. Mais cela nous donne-t-il le droit de nous asseoir et de penser que la nourriture va descendre du ciel? Non. C'est ce qu'il dit, il y a la responsabilité de Dieu, il y a notre responsabilité. Un exemple très simple, lorsque vous mettez le pain au four, il y a la responsabilité du boulanger qui est de pétrir le pain et de le mettre au four, il y a la responsabilité de la nature qui est de savoir comment cuire le pain. C'est la même chose. Oui, donc Dieu, la pensée dont vous parlez, c'est de que, penser à comment concrétiser votre rêve. Voilà, c'est notre responsabilité. Parce que Dieu est le premier démocrate, donc peut-être que nous avons des désirs. Que nous désirons, mais des mais choses il faut que nous... le dire comme ça pour que les téléspectateurs comprennent. Oui, c'est vrai, je suis d'avis avec vous. Voilà, nous avons le désir. C'est comme ce que vous disiez au départ, Richard Sobrepré, mon peuple périt faute de connaissances, dit l'Éternel, puisqu'il ne maîtrise pas généralement les dessous, les phases cachées de ce que dit Dieu voilà, dans ses paroles. Voilà, les points d'ombre de ces saintes écritures, où parfois les gens font des interprétations qui ne sont pas forcément collées à l'esprit que veut véhiculer forcément la Sainte Écriture. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. On va commencer par donner des conseils pratiques aux gens rapidement. Vous avez déjà commencé par le faire, hein, mais pour tout âge, est-ce que ces conseils dont vous avez parlé là, c'est valable pour tout âge? Sinon, quels sont les conseils catégorie par catégorie? Surtout pour la jeunesse aujourd'hui. Pour la jeunesse, c'est d'abord apprendre, en tout cas savoir que sa vie est une responsabilité. Et donc, lorsque vous savez que votre vie est une responsabilité qui vous incombe, alors vous cessez de rejeter le tort sur les autres, sur les situations, les conditions de vie, et vous cherchez les moyens à améliorer vos conditions de vie en intégrant ce que vous désirez et en travaillant là-dessus. Maintenant, j'ai déjà donné quelques astuces. Maîtriser le corps, maîtriser les émotions et la pensée. Et ces trois-là, lorsque vous maîtrisez ces trois choses, alors vous aurez la capacité de pouvoir manifester vos pensées en des réalités à travers la loi de l'attraction. Vous aviez dit au départ que l'une des choses qui parfois déconcentre, c'est la femme, n'est-ce oui, pas oui. Alors est-ce que cette femme-là, elle-même, peut se concentrer sur sa pensée. C'est pas seulement la femme, c'est parce que je suis un homme que je prends ce côté-là. Si c'est la femme, c'est peut-être l'homme. Si c'est l'homme, c'est la femme. Okay. Donc, c'est à nous de savoir. Les hommes aussi peuvent déconcentrer les femmes. Oui, oui, c'est possible. Donc, c'est à nous de savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes sont plus déconcentrés par les femmes que les femmes sont par les hommes. Donc, oui, la sexualité en général. Donc, nous devons faire véritablement attention à nos choix et à savoir que la vie n'est pas que de patauger, de avoir vers Amina, il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser. Mais puisque les femmes dont on parle constituent elles-mêmes un élément qui est de plus en plus craint comme élément qui déconcentre, est-ce que la méditation à leur niveau ne doit pas être plus élevée qu'aux autres niveaux, bien ça doit être les mêmes normes? Non, chacun est à son niveau et doit méditer pour atteindre un niveau plus élevé. Alors pour une femme enceinte, c'est toujours la même chose? Oui, c'est toujours la même chose.
pour une femme enceinte. Oui, puisque toujours. L'enfant peut avoir des énergies, bon, je n'en sais rien. Non, c'est toujours la même chose. Encore que c'est vrai qu'il y a des conditions très particulières pour la femme. Déjà, j'en ai déjà parlé, il y a des choses qu'il ne doit pas voir, il y a des choses qu'il ne doit pas prendre, il y a des choses qu'il ne doit pas manger. C'est encore très, vous voyez, c'est des trucs très, très vastes qu'on ne saurait développer vu le temps. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous permettons en quelques secondes de conclure. En quelques secondes, je vais remercier d'abord les téléspectateurs de nous avoir suivis de bout en bout et leur conseiller s'ils désirent prendre connaissance de ces enseignements. Nous sommes disponibles au numéro. À l'occasion d'un autre numéro, d'accord. Un autre numéro de cette émission, vous aurez l'occasion forcément de leur faire part de cela. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que peut-être très bientôt, ils auront l'occasion de commencer par appeler sur l'émission avec la complicité de la direction générale, bien sûr, et si ils validaient. Et il faut le rappeler, hein, c'était l'option il y a quelques années, qui pourrait encore revenir. Et nous voulons profiter de l'occasion pour rappeler à tous ces annonceurs-là qui veulent passer sur l'émission, eh bien, les portes du service commercial vous sont ouvertes. Vous pouvez passer à n'importe quel moment. Nous sommes disponibles ici pour vous accompagner. N'est-ce pas, Olivier Sassobat? Justement, Aristide Kanosou, nos portes sont donc ouvertes pour les annonceurs. Nous sommes à la fin de cette émission, chers téléspectateurs de Gulf TV Africa. Nous vous disons merci pour votre attention et votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour vendredi prochain à la même heure pour d'autres mystères, d'autres thématiques et d'autres connaissances à partager avec vous. Je conclure cette émission avec cette citation. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Nos pensées, nos sentiments, nos rêves, nos idées sont physiques dans l'univers. Dixit Will Smith. Ce sera tout pour cette émission. Merci, bonsoir chez vous et que la bénédiction soit.